Voilà, donc je m'appelle Samantha, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Je ne suis plus toute jeune, j'ai fait ma transition a débuté aux environs de 40 ans. Dans la vie, je suis indépendante depuis une vingtaine d'années. Je travaille le cuir et donc ça, je dirais que je me permets d'allier le plaisir et le travail. Et pour le reste, donc, j'ai mon ami Nicolas qui m'a accompagné pendant ma transition. Et je suis la représentante d'une association qui s'appelle Transition. Et donc, il est un des membres de cette association. Et donc, il m'accompagne avec toute une équipe dans la mise en place du dressing solidaire que l'on mène à Bruxelles et également des repas qu'on offre quand on en offre pour les personnes en difficulté. Donc voilà. Je m'appelle Louis, j'ai 25 ans depuis septembre et je travaille dans la comptabilité et j'habite Nivelles depuis maintenant presque 4 mois. Je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans, je suis de Bruxelles, j'ai toujours habité à Bruxelles. Du coup, j'étudie aussi à Bruxelles ici, je suis en bio-ingénieur à l'ULB. Et voilà, du coup, depuis quelques temps, j'ai lancé un compte Instagram qui fait partie de mon quotidien au final. Et cet activisme-là aussi, ça occupe une bonne partie de mon temps. Et voilà. Je me suis rendu compte que j'étais trans quand j'avais 15 ans et demi et j'ai commencé ma transition environ un an et demi plus tard, en juin 2016. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à m'appeler Victoria et tout mon entourage m'a appelé Victoria. Enfin, tout mon entourage, pas complètement, mais on va dire que petit à petit, à partir de ce moment-là, on a commencé à m'appeler Victoria. J'ai commencé ma transition il y a de ça maintenant presque... Bon, allez, on va bientôt aller sur les 3 ans, en février 2019. Et tout s'est toujours bien passé jusqu'à présent. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc on continue le chemin, comme on dit. Depuis toujours, je me suis senti fille. Donc c'est un peu cliché, comme je disais, mais c'est quelque chose qui est... qu'on ressent, donc en fait c'est pas quelque chose qu'on devient comme on dit parfois, mais en fait on sait qu'on est plutôt une femme, mais que voilà, après il faut trouver le bon moment pour transitionner. Je suis le papa de Victoria depuis presque 22 ans et je l'adore. Au départ, Louis était un collègue et au fil du temps, c'est devenu mon meilleur ami. Ça fait combien de temps? 3 ans? 4 ans? Ouais. Je sais plus. Je suis ami de Samantha. Je l'ai aidé dans sa transition. Nous nous connaissons depuis 2013, je crois. Et on s'est croisés avant, dans les années... À l'époque, dans ton autre vie, on s'est croisés dans les années... début 2000, dans ces eaux-là. On s'est croisés plusieurs fois à cette époque-là. Et voilà. Thank you.
toutes tes capacités. En story, tu racontes ta routine. Tu sens comme un poisson dans cette terre mortelle et dans tous ces putains de sons qui t'assourdent. J'étais soi-disant un mec qui était attiré par les mecs, chose dont je me suis rendu compte quand j'avais 11 ans. Et donc, l'un plus l'autre, je m'identifiais en tant que mec homosexuel, en fait. Et pendant des années, c'est vraiment un truc qui m'a trotté énormément parce que, en fait, ça me correspondait juste pas. C'était pas du tout moi et je comprenais pas pourquoi. Mais sur papier, en fait, avec les informations que j'avais, c'était ça, mais je sentais bien au fond de moi que c'était pas ça. C'était vraiment un ressenti qui était inexplicable. Et c'est un ressenti qui s'est vraiment, genre, au fur et à mesure des années, qui s'est intensifié. Et c'était vraiment devenu presque... Enfin, c'était devenu invivable, en fait. Je me remettais en question tous les jours parce que je comprenais pas qui j'étais, je comprenais vraiment pas, en fait, ce ressenti. Et j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Mon état d'esprit était vraiment... je vais pas dire noir, mais en quelque sorte, je savais pas où je devais aller, je savais pas ce que je devais faire, c'était compliqué. À l'école, c'était pas plus fastidieux non plus, donc finalement, la maison plus l'école faisait un melting pot de je reste dans ma chambre et je veux voir personne. Maintenant, je sors beaucoup plus. Enfin, je sors, entre parenthèses, je sors mon chien 40 000 fois par jour, façon de parler. Mais... je ne veux pas spécialement être une personne totalement différente de ce que j'étais avant parce qu'il y a quand même une partie de moi qui reste, de toute façon. Mais le genre de choses qui m'a peut-être surpris, c'est peut-être la façon dont les gens m'ont vu après, puisque on est passé d'une personne qui était totalement, on va dire dépressive, mais entre parenthèses pas loin, à une personne qui est bien dans sa peau, qui est un peu plus joyeux, qui fait un peu plus de choses, qui bouge un peu plus, qui participe un peu plus à la vie active. Donc je pense que le regard des gens à ce niveau-là a changé, pas spécialement énormément, mais a quand même changé. C'est plutôt ce genre de truc-là où je me suis dit vraiment, où je devais vraiment être assez loin psychologiquement pour me dire que les gens me voyaient un petit peu en mode « Oui, bon, on va pas t'éviter, mais on va pas t'inviter parce qu'on sait que tu vas dire non, ce genre de truc. » Un soir, Samantha m'a dit « faut que je te parle ». Je lui ai dit « d'accord, Samantha est comme ça, faut que je te parle, j'ai un truc à te raconter, mais pour plein de choses différentes ». Je lui ai dit « oui, pas de problème ». On s'est donné rendez-vous, la nuit tombée, et j'étais dans la voiture en train de lire, et puis j'étais un peu perdu dans mon livre quand je vois une dame qui passe et qui ouvre la porte. Je suis surpris et j'ai regardé ça, mais je lui ai dit « tiens, t'es marrant t'habiller comme ça, tu veux une fête ?» Et ça m'a dit « non, je suis transgenre ». Ah ben... m'explique-moi. Ça m'a expliqué. Et il y a eu un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais prêté un livre à Sam. Et je lui dis, tu l'as déjà lu ? Non, mais si tu voulais plus me parler, je te le rends. Ben non, on en a parlé, puis je lui ai dit, je vais t'aider. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. J'avais pas peur de leur dire dans le sens où je savais très bien qu'ils allaient m'accepter tel que je suis. Maintenant, le tout était de savoir déjà comment annoncer ça. Puis ma mère l'a très bien pris dans le sens où elle m'a dit « je m'en suis toujours douté ». Il y a eu toujours... parce que je me suis toujours habillé comme un garçon, donc finalement, il y avait déjà des doutes là-dessus, on va dire ça comme ça. Ah, j'étais aussi censé avoir un dé ce soir. Quand j'ai vraiment commencé ma transition en juin 2016, j'ai eu un énorme soutien de mes potes parce que c'est aussi mes potes qui m'ont un peu poussé à commencer ma transition. Ils savaient tous qu'ils allaient devoir m'appeler Victoria un jour ou l'autre, mais ils savaient pas quand et moi non plus je savais pas quand. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi était hyper difficile à entamer et qui était hyper difficile à dire ok, on fait ça maintenant. C'était hyper compliqué. Ouais, c'était vraiment une situation bizarre et j'ai eu beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils m'ont poussé, ils m'ont dit « Ok, Vic, là, maintenant, c'est bon, on y va, on t'appelle Victoria et on répond l'info, quoi. » Oui, j'avais loué le CDS. On n'était pas copines à l'époque, ma mère. Non, on n'était pas copines à l'époque, ma mère. J'étais pas invitée. J'ai jamais été invitée. Ah ouais ? Mec ! Celle-là, la mec ! Et c'était celle-là !
Il y avait mon anniversaire juste avant, quoi. Mais j'avais été trop casse-couille. Genre, j'avais vraiment été abominable avec les gens. Parce que j'étais trop stressé, j'étais là. Tu vois, en mode genre, c'était un an après mon baptême, tu vois. Genre, c'est le moment où t'es encore là, en mode genre, le cercle, attention, ouais. Le cercle. Maintenant, c'est hier, j'étais là en mode genre, allez, poussez-vous. Alors, Victoria, depuis toute petite, est très féminine. Et donc, on se disait tous que, voilà, c'était quelqu'un de très féminin. Et comme c'était un garçon, moi, je voulais lui donner une éducation de garçon. Ce qu'elle a eu, malheureusement. Et après, son coming out a été quelque chose d'un peu compliqué pour moi, parce que, en fait, je l'ai appris fort tard. Et que beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous avec des psychiatres, des psychologues se sont passés un peu dans mon dos. Et moi, j'ai été mis devant le coming out immédiat, que j'ai pas nécessairement bien pris, puisque je croyais un peu que Victoria était dans une secte. Et donc, je me suis fait un film par rapport à ça. Et puis, avec le temps et l'amour, on a réussi à un modus vivendi qui est super. Bon, du coup, on boit une bière ou pas? Ouais, c'est chaud. C'est tout? Oui. Ok. Les gâteaux, c'est pour le dessert. Ah! Jinko. Jinko, oui. Les Jinko Fit. Artisan pâtissier. Thanks. Tu veux un verre? Comme les ouvriers. Moment de connexion dans une famille belge. À l'ouverture d'une canette de bière. Tu te chopes, hein? Ok. Mon père biologique, j'ai coupé les ponts avec lui le jour où je lui ai annoncé que j'allais faire ma transition, parce que lui, il n'a pas accepté. Lui, il m'a toujours dit, j'ai mis au monde une fille, tu resteras une fille. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tant qu'il ne m'acceptera pas tel que je suis, je ne ferai pas un pas supplémentaire. J'ai trop donné avec cette personne. Et pour finir, pas dire ne rien avoir en retour, mais pas une compréhension. Si tu n'es pas capable de comprendre que ton enfant ne va pas bien, c'est que tu as un problème déjà de base. Et si tu ne peux pas comprendre que ton enfant a besoin de faire certaines choses pour se sentir bien, tu peux rien faire de plus. Disons que au début, je ne me montrais pas à mes enfants, donc quand j'ai transitionné au début. Donc, et puis quand ils l'ont su, ben, les parents et les amis de mes enfants l'ont accepté, donc ils se sont dit, ben, si tout le monde accepte, alors c'est presque normal, en fait. Et donc c'est passé un peu comme si de rien n'était. C'est assez étonnant. Mais bon, je dirais que c'est surtout grâce aux gens qui entouraient mes enfants qui, en fait, n'ont pas réagi de manière négative. Ce soir, si j'avais été en film, si on n'est pas dans une famille saine et qu'il n'y a pas de l'amour sain, au final, bah, si on les perd, on perd peut-être une grosse partie de notre vie. Mais si c'est des choses qui sont malsaines déjà à la base, en fait, à quoi bon garder ces personnes-là dans nos vies? C'est pas parce que c'est notre famille de sang que c'est des personnes qui doivent forcément continuer à faire partie de notre vie. C'est des personnes qui ont pu nous donner la vie, qui ont pu nous mettre au monde, mais en fait, si ces personnes-là sont pas capables d'accepter qui on est, à quoi bon les garder dans notre vie si on peut pas être qui on est vraiment avec ces personnes-là, quoi. Ça a été facilement, je trouve. Le prénom, ça a été le plus facile. Alors, je dis pas que je me suis pas trompée de temps en temps, au début. Bah, ça comme mes parents. Oui, et puis, au départ, au bureau, tout le monde n'était pas au courant. Donc, il fallait aussi faire un peu attention, etc. Je crois que c'était plus difficile de dire « il » parce que, comme je la connaissais en fille, à la base. Mais Louis, ça a été directement. Ça, c'est fait.
Tu mets au four ? Oui, il faut d'abord découvrir le papier d'aluminium. C'est quoi ? Ça s'appelle des lasagnettes. C'est léger ? C'est léger, mais évidemment. C'est léger. Ah, mais non, il y a un peu de bolognaise dessus. Ah. Donc c'est, là, pas, c'est, tout pas, à fait, c'est pas tout à fait léger. C'est grave. Ouais. Même si je pense que la plupart de tes potes proches l'ont vraiment bien accepté. Très bien. Pour autant, ils n'ont pas forcément la main, entre guillemets. Ils n'ont pas forcément l'habitude. Et du coup, ouais, parfois, je me retrouve un peu face à des propos que j'aurais pas forcément envie d'entendre. J'en ai quelques-uns que j'ai remis en place directement en leur disant, voilà, c'est ma fille et puis ce sera ma fille. Donc, si ça te plaît pas, tu dégages du paysage. Slay! Alors, bon, c'est cocasse parce que pour mes enfants, par exemple, c'est toujours papa. Je ne suis pas devenu leur mère. Donc, ma fille, quand elle m'appelle dans un magasin, bon, parfois, elle n'y pense pas et elle crie papa. Donc, ça crée quand même parfois des situations assez cocasses où je me retrouve, enfin, pas entre deux chaises, mais dont les gens se disent, il y a un truc qui ne va pas, elle l'appelle papa. Enfin, donc, bon. Pour la fin de mes humanités et du coup, le début de ma transition, c'était vraiment l'institution qui bloquait. C'était l'institution et on va dire, ouais, la direction et l'administration de l'école en fait qui posait vraiment problème, parce que à part quelques petites remarques que j'ai pu entendre de bouche à oreille sur moi de la part des élèves, j'ai rien entendu grave et j'ai rien subi de très transphobe au-delà des actes de la direction en fait. Au dernier, avant-dernier conseil de classe de l'année, ou le dernier, je sais plus, mon sujet est arrivé sur la table et les profs voulaient demander à la direction de me proclamer en tant que Victoria. Et en fait, la direction a complètement coupé court. Quand ils sont arrivés à parler de moi, le directeur a dit, avant qu'il y ait quoi que ce soit comme propos qui soit amené, il a dit « elle ne sera pas proclamée en tant que Victoria » et ça, c'est sûr. Et donc, j'ai été proclamée juste avec mon nom de famille, sans prénom. Voilà. Et donc ça, c'était à nouveau la faute de l'institution, quoi. I'm undercover every now and then. Playing hide and seek, following the. C'est vrai que le jour où je dois trouver une petite copine ou ce genre de truc, c'est vrai que là j'avais un peu plus de mal. J'ai eu une copine avant de commencer ma transition, puis après, bon, elle habitait en France, donc finalement on s'est dit c'est bon, on va s'arrêter là. Vu que la distance faisait que, mais sinon, c'est pas quelque chose que j'attends ou que je cherche pour l'instant. Mais c'est vrai que, je vais pas dire que j'y réfléchis, mais je me dis que, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je dois le dire tout de suite? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que ça va se faire normalement? Enfin, c'est vrai que je me pose des questions vis-à-vis de ça, mais comme j'ai pas encore été spécialement confronté, j'ai pas spécialement approfondi le sujet non plus. Moi, je suis toujours amoureux de ma petite femme. Super. C'est vraiment compliqué en fait, parce que d'une certaine manière, il y a clairement des mecs qui pourraient accepter ma transidentité, mais dans ces mecs qui pourraient accepter ma transidentité, il faut d'abord savoir faire le tri, parce qu'au sein de l'infime minorité de personnes qui m'acceptent, ben, je dois aussi faire le tri entre les personnes qui m'acceptent juste vraiment et les personnes qui sont attirées par le fait que je sois trans. Et ce qui est hyper malsain, en fait, on appelle ça la fétichisation. Et en fait, cette fétichisation, elle fait tout autant de mal, parce que, bah, en fait, d'une certaine manière, on n'est pas accepté, on est juste réduit à notre transidentité. Notre transidentité n'est pas du tout acceptée. Il n'y a juste rien d'autre qui compte. Seek, follow in the trend.
le début, je n'ai pas eu peur. J'ai eu parfois peur que Samantha soit subisse des moqueries ou des choses comme ça, mais on peut dire que ce n'est quasiment jamais arrivé. Plutôt de l'interrogation de gens que nous croisions, qui se posaient des questions. Donc c'était plutôt ça. Mais des peurs, non. Non. J'ai eu peur pas au moment de certaines opérations, parce qu'une opération, même bénigne, on ne sait jamais si ça va bien se passer. Parce que, je t'ai raconté ou pas écologie ? Non. On fait une expérience de compétition. Ouais. C'est-à-dire qu'on plante des... Enfin, il y a des groupes témoins et tout, mais en gros, on plante... Genre oui, j'ai tout le temps peur de ce qui peut lui arriver, de peur qu'elle se fasse agresser physiquement, peur qu'elle se fasse agresser moralement et psychologiquement. Bien que je sais que Victoria est très forte et qu'elle arrive à passer au-dessus de tout ça, et je lui dis souvent, cours vite si jamais on t'embête, n'hésite pas à répondre s'il y a des relous qui t'ennuient. Mais c'est vrai que j'ai peur, mais j'essaye de mettre un peu des barrières par rapport à ça, parce que c'est difficile de vivre dans la peur. Donc j'essaye d'exorciser ça en me disant que Victoria se lève tous les jours avec un grand sourire, comme elle a toujours. Et qu'elle combat ça avec le plus de force qu'elle a, et je trouve ça super. Je dirais que le bon souvenir, le meilleur souvenir, c'est quand la maman a dit ma fille, je pense. Je pense que c'est le meilleur souvenir parce que c'est une reconnaissance de ses parents. Et donc ça, c'est la chose qui ça montre qu'ils ont accepté. Dans les souvenirs marquants, lors d'une opération importante, on est allé, le chirurgien dit à Samantha, il faut un numéro de téléphone de quelqu'un s'il y a un problème. Et Samantha, c'était au début, a dit, ton numéro, moi, ben c'est en toi que j'ai confiance. Et je me suis dit, oula, ça c'est vraiment une responsabilité. Sa présence à mon mariage, le premier, parce qu'il s'est fait en deux fois en fait. Et donc c'était la première fois où Louis était... proche de ma famille, enfin, pour moi, c'était sa place, quoi. Et ça, c'est mon meilleur souvenir. Après, il y en a plein d'autres, hein. Oh oui, le garçon était triste. La fille est toujours épanouie. Ça, c'est flagrant. Oh si, j'ai des photos de toi avant. Je me rappelle une photo où on est ensemble. Et l'un à côté de l'autre, on était au soleil quelque part, je ne sais plus, on a un truc de travail. Et quand je regarde cette photo, t'as l'air... Je ne vais pas dire triste, mais pas épanoui comme tu es maintenant. Ah si, ah si, si. Ça, oui, moi, c'est vraiment... Oui, d'accord, mais triste, j'avais une autre vie. Quoi. Voilà, mais, ça, mais tu as une vie qui te convient et te plaît mieux maintenant, plus riche, qui est celle que tu voulais. Deux jours après, ouais. J'ai montré les photos, il y en a une qui est trop belle. Ouais. Trop belle. Et, moi, tous mes élèves, je leur montre la vidéo où tu es et je les fais liker. Allez, on va apprendre un truc. Ouais. Non, et du coup, on a tourné la vidéo, puis j'ai fait un photoshoot pendant une heure. Et ouais, t'as quand même, sur Facebook, t'as quand même... Non, pas Facebook. Sur YouTube, t'as plus de 7000 vues quand même. Ouais, en gros, ils ont fait... Je la sens beaucoup plus épanouie maintenant qu'elle ne pouvait l'être avant. Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris par le passé, de choses qui étaient arrivées, qui étaient un peu difficiles à vivre pour elle et qui... ne l'était pas nécessairement pour moi, et je m'en veux un peu de certaines choses que j'ai faites, mais je les ai faites en fonction de son genre de l'époque. Et voilà. Mais si elle a fort changé, oui, elle a fort changé, évidemment, que ce soit une transformation physique ou une transformation psychologique, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus heureuse maintenant, beaucoup plus souriante, et beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool. C'était pas cool avant. Si, c'était cool avant, mais... c'était chiant. Ouais, t'es beaucoup plus épanoui maintenant. Tu pourras pas dire que t'étais en retard si tes horloges sont à l'heure. Il y en a tellement ici que... Malgré les hauts et les bas, parce que bon, il a eu des bas aussi dans son parcours, je trouve qu'il s'en sort hyper bien. Et moi, franchement, chapeau, parce que je suis pas sûre que j'aurais su faire ça comme lui. Si je voulais dire quelque chose, c'est que je suis très très fier d'elle. C'est que vraiment, c'est une personne qui rayonne autour d'elle et qui essaye toujours de mettre la bonne humeur.
Même si parfois intérieurement c'est difficile pour elle, elle rayonne et c'est un vrai plaisir. Je sœur, nous avons les cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe de fois. Eh ben voilà. Bah on rigole tout le temps. Tu peux faire youtubeur maintenant? Ouais, je peux, c'est bon. Parfait. Take my job, go ahead. Viens la cam. Be drunk, my babe. This is a situation, though. So this is my coloc. So this is her. Hi, ma puce. Hi. Salut. C'est une star, la fille qui habite là et compagnie. Fais bonjour comme la reine. Fais bonjour comme la reine, exactement. Par contre, faudrait une photo de vous quatre comme ça, c'est mignon. Bon, on y va? On y va. On est parti. Alors, j'ai fait un truc, Françoise.